Good evening, everyone. I am Dr. Kenny Sin, Director of College, ASEAN Federation of Cardiology. Welcome to the ASEAN Federation of Cardiology 2021 Congress. We were very much looking forward to visiting Siem Reap and to the world-famous temples of Angkor, but I'm sure that we will have the opportunity soon in the near future. We are kicking off the Congress with this special session, and indeed a unique one. This session is a collaboration between the European Society of Cardiology and the ASEAN Federation of Cardiology. This session will be conducted in French, and it's the first time we are doing it in a different language. We hope this session will benefit the physicians in Cambodia, as well as the neighboring countries in this region, as I know many are proficient in French. I would like to thank the Cambodian Heart Association under the presidency of Professor Sokcho for hosting this session. Please enjoy the session. Professor Sokcho, please. Bonjour, chers collègues, chers confrères. Je suis Dr. Sokcho, président de l'Association cambodgienne de cardiologie. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour le Cambodge, pour les médecins cambodgiens, d'avoir la session de l'hypertension artérielle supportée par des professeurs venant de la Société européenne de cardiologie. Je prends cette occasion, cette opportunité de remercier professeur Victor Aboyan, directeur du département de cardiologie de l'Université de Limoges, France, qui a accepté présider, être chair de cette session. Et aussi, je voudrais remercier professeur Olivier Hanon, président de la Société française de gériatrie et gérontologie de l'hôpital Beauchamp de la France, qui a accepté d'être orateur dans cette session. Et en plus, je voudrais remercier Dr. Hai Tuan Nguyen de l'hôpital Bạch Mai, Vietnam, qui a accepté de donner la présentation dans cette session. Et au Cambodge, je voudrais remercier Dr. Mensing Lip, cardiologue interventionnel de l'hôpital Calmette, qui a accepté de donner sur l'hypertension artérielle en Asie. Spécialement, je voudrais remercier professeur Kenny Sin, mon co-chair de ce congrès, parce que sans lui, ce congrès ne peut pas être réalisé. Et surtout, au nom des médecins cambodgiens, je voudrais remercier vous tous, surtout ESC, Société européenne de cardiologie, qui toujours donne le support aux médecins cambodgiens, surtout la Société cambodgienne de cardiologie. Et pour ne pas perdre du temps, je voudrais passer la parole au professeur Victor Aboyan pour diriger cette session. S'il vous plaît, professeur Aboyan. Merci. Professeur Aboyan, à votre parole. Je crois qu'il a été déconnecté, non? Je crois que professeur Aboyan a déconnecté, a probablement problème Internet. Donc, je voudrais
invité le premier orateur, c'est professeur Olivier Hanon, président de la Société française de gériatrie et gérontologie de l'hôpital Beauchamp de Dafran, qui va nous donner une présentation sur le guideline key point de l'hypertension artérielle de l'Association européenne de la cardiologie. S'il vous plaît, professeur Hanon. Oui, bonjour. C'est un plaisir de. Je vais ouvrir mon écran partagé. Vous voyez là? C'est bon? Donc, je merci beaucoup de votre invitation à ce congrès. Donc, je suis le professeur Olivier Hanon. J'ai deux casquettes. Je suis effectivement professeur à la fois de cardiologie et de gériatrie. Je travaille à l'hôpital Broca, qui est dans Paris Centre. Je suis effectivement l'ancien président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Et je suis l'actuel président du comité de lutte contre l'hypertension artérielle. Donc, c'est surtout à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui, au titre du comité français de lutte contre l'hypertension artérielle. Et donc, on va voir un petit peu les points majeurs des recommandations de la Société européenne de cardiologie et d'hypertension artérielle. Alors ici, vous avez mes liens d'intérêt. Alors, vous avez probablement vu passer ce papier publié tout récemment dans le Lancet sur la prévalence de l'hypertension dans le monde. Et vous voyez que c'est des données récentes, hein, de 2019 pour des personnes âgées de 30 à 79 ans. Et on voit que globalement, la prévalence est de 34% pour les hommes et de 32% pour les femmes. Vous voyez ici les couleurs, hein, quand c'est plutôt en pâle, c'est plutôt autour de 20%, et quand c'est en très foncé, c'est plutôt 60%. Donc, vous voyez que pour votre région, ça sera probablement redétaillé tout à l'heure, hein, on est autour de, effectivement, 30 et parfois 40%. Vous voyez que pour certains pays, et notamment en URSS, en Russie ou en Afrique du Sud, et surtout en Amérique du Sud, la prévalence est encore plus importante, hein. En Amérique du Sud, c'est parfois 60% de prévalence de l'hypertension. Quand on regarde si les personnes sont bien au courant de leur diagnostic d'hypertension, ben vous voyez que seulement 50% des gens savent qu'ils ont une hypertension artérielle. Donc, on voit qu'on s'y à peu près sont traités. À gauche, vous avez les femmes, à droite, vous avez les hommes. Et puis, la dernière ligne qui est la plus inquiétante, c'est des gens traités, contrôlés. Vous voyez qu'il y a seulement 23% des femmes et 18% des hommes. Donc, c'est vraiment très faible, hein, pour une maladie aussi fréquente, hein. 30% de la population dans le monde et seulement 20% des gens qui sont bien contrôlés. Alors, quand on regarde le contrôle, vous voyez ici aussi, les pays où le contrôle est le meilleur sont, ben oui, au Canada, il y a un très bon contrôle de l'hypertension artérielle. En Europe, il y a le Portugal, et vous voyez qu'en Asie, ce n'est pas forcément l'endroit où il y a beaucoup de bleu, vous voyez. Donc, on est plutôt sur des taux de contrôle en dessous de 25%. Alors, vous voyez, les pays où il y a les meilleurs taux de contrôle, hein, c'est l'Islande, le Canada. Donc, en Europe, c'est l'Islande, Canada. En Asie, la Corée du Sud, il y a un bon contrôle. Et puis, vous avez les États-Unis, l'Allemagne, le Portugal en Europe. Et les taux de contrôle très faibles, à moins de 10%, ben, vous avez l'Afrique, vous avez l'Asie centrale et l'Asie du Sud ou l'Europe de l'Est, où le contrôle est encore insuffisant. Donc, vous voyez qu'on a des taux de contrôle où on peut largement progresser, et c'est pour ça que la société européenne a fait des recommandations. Alors, le contrôle tensionnel, il est quand même très dépendant du niveau socio-économique des pays. Donc, vous voyez que dans les pays plutôt riches, hein, que ce soit en Asie ou en Europe, la partie verte, qui est le nombre de gens contrôlés, est plus élevée. Et puis, dans les pays plus, où la partie économique est plus faible, vous voyez que le taux de contrôle à ce moment-là, en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique du Sud, le taux de contrôle est moins bon. Et pourtant, hein, tout le monde sait que l'hypertension artérielle est un facteur de risque absolument majeur
de complications cardiovasculaires. Ici, vous avez une des plus grandes méta-analyses faites sur les complications de l'hypertension artérielle, hein, et le bénéfice du traitement, du contrôle tensionnel. Vous voyez que ça réduit de 22% la survenue des AVC, des maladies coronaires, de 34% la survenue d'un AVC, de 46% la survenue d'une insuffisance cardiaque. Ça réduit la mortalité cardiovasculaire de 20% et ça réduit même la mortalité totale de 12%. Donc un bénéfice absolument majeur. C'est vrai que quand on voit tous ces bénéfices, on se dit, mais pourquoi il n'y a que 20% de la population dans le monde qui est bien contrôlée alors qu'on a un médicament qui arrive à réduire de façon aussi spectaculaire l'AVC, l'insuffisance cardiaque, la maladie coronaire. Puis il y a un autre bénéfice, ça c'est une étude que nous on avait conduite, hein, qui est une étude européenne, étude Sister, où on regarde le bénéfice non plus sur les maladies cardiovasculaires, mais sur les troubles de la mémoire, hein, les démences. Et vous voyez que par rapport à du placebo, un traitement antihypertenseur réduit de 55% la survenue des démences. Donc, en plus de la prévention des maladies cardiovasculaires, prévention des troubles cognitifs, de la démence. Et vous savez qu'on n'a aucun traitement curatif de la démence. Donc, avoir un traitement préventif, c'est absolument majeur. Donc, pourquoi autant de gens non contrôlés? C'est pour ça qu'il y a eu des recommandations qui datent de 2018. Les précédentes étaient en 2013, pour remettre des guidelines et voir pour que les médecins vraiment s'emparent de cette problématique du contrôle tensionnel. Alors, d'abord, première chose, c'est la définition. Il n'y a pas une modification. La définition européenne reste l'hypertension à partir de 140, 90 mm de mercure et trois stades, le stade 1, 2, 3, en fonction des chiffres tensionnels. Pourquoi je vous remets la définition? Parce que vous savez que les Américains ont, eux, changé la définition de l'hypertension artérielle. Et vous voyez que sur les recommandations américaines, on parle d'hypertension à partir de 130-80. 130-80. Alors, je vous ai dit, en Europe, on est resté à 140-90. Donc, un point différent en fonction des recommandations, qu'on soit américain ou européen. On va voir qu'en fait, pour les objectifs, ça ne change pas grand-chose, mais que pour la définition, il y a une différence entre l'Europe et les États-Unis. Ensuite, il faut une prise en charge de l'hypertension. Donc, je vous ai dit, définition supérieure à 140-90. Et puis ensuite, bien sûr, on ne va pas se baser sur un seul chiffre de pression artérielle. On va répéter les mesures. Et puis surtout, en fait, on va confirmer les mesures par des mesures au domicile. Et donc, soit par de la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures, soit par de l'automesure. Donc, on fait un diagnostic, on peut répéter, mais il va falloir confirmer cette hypertension permanente par des mesures à domicile. Alors, que nous disent les recommandations pour faire une bonne mesure au cabinet en consultation? Il faut que le patient soit au calme depuis 5 minutes pour commencer les mesures de pression artérielle. Ensuite, on va mesurer, on va prendre deux ou trois mesures et on fait la moyenne des deux dernières mesures. Vous voyez, il faut au moins deux mesures, souvent trois, surtout s'il y a une différence entre la deuxième et la première, et on fait une moyenne des deux dernières mesures. Si le patient est en arythmie, donc une fréquence cardiaque irrégulière, il faut à ce moment-là faire plus de mesures, pouvoir faire un moyen âge, faire une moyenne, parce que là, deux mesures peuvent ne pas suffire à cause de l'arythmie. Il faut regarder la taille du bras des patients et notamment si les patients sont obèses, utiliser des brassards suffisamment grands pour avoir une bonne mesure de la pression artérielle. Il faut notamment chez les patients âgés, il va falloir remettre le patient debout et rechercher une hypotension orthostatique. Et donc là, c'est très important. Vous voyez, ce n'est pas pour tout le monde, hein. Mais vous voyez, on mesure à ce moment-là à 1 minute et à 3 minutes la pression artérielle et on recherche une baisse de 20 mm de mercure de la pression systolique ou de 10 mm de mercure de la pression diastolique. Donc, chez les patients âgés, donc vous voyez qu'une mesure, une bonne mesure de tension, ça prend du temps puisqu'on a 5 minutes pour mettre le patient en repos. On a ensuite 3 mesures à faire, ça prend 3 minutes. Et puis encore 3 minutes pour mettre le patient debout. Donc, vous voyez que ça prend presque 10 minutes à une bonne mesure de pression artérielle selon les règles de l'art. Comme les mesures sont souvent difficiles de prendre les 10 minutes en consultation, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut confirmer. Puis il faut rechercher notamment ce qu'on appelle l'hypertension blouse blanche, qui est présente dans 20-25% des cas. Et donc, on va confirmer l'hypertension par des mesures ambulatoires.
Donc, soit par la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures, soit par l'automesure à domicile. Et là, il faut savoir que les normes ne sont, les définitions ne sont plus les mêmes. En consultation, je dis, c'est 140-90. Vous voyez que si on parle de la mesure ambulatoire sur la journée, on enlève 5 mm. C'est plus 140, mais c'est 135. C'est plus 90, mais c'est 85. Et puis, si on regarde uniquement la nuit, vous voyez que à ce moment-là, c'est 120-70. Donc, la journée, 135-90. La nuit, 120-70. Donc, si on fait la mesure sur les 24 heures, ça fait 130-80. Là, on a enlevé 10 mm de mercure. Et puis, si on fait uniquement de l'automesure, l'automesure, c'est 135-85, on a enlevé 5 mm de mercure. Donc, il faut bien connaître ces normes. Et donc, une fois qu'on a identifié un patient potentiellement hypertendu, on confirme par une mesure en ambulatoire. Ensuite, on va évaluer le risque cardiovasculaire de notre patient. Et donc là, vous connaissez ces scores de risque hein, qu'on utilise, le score qui s'appelle score, selon les recommandations européennes. Et vous avez des patients qui vont être soit en jaune à faible risque, soit en orange à risque modéré, soit en rouge à haut risque, soit en rouge foncé à très haut risque. Et vous voyez que, vous connaissez ces scores, hein, on prend en compte à la fois le niveau d'hypertension artérielle et le nombre de facteurs de risque cardiovasculaire des patients. Et donc, on va identifier des patients qui vont être à très haut risque et qu'il va falloir démarrer un traitement précoce. Hein, donc, cliniquement, ce sont des gens qui ont déjà fait une maladie cardiovasculaire, ce sont des gens qui vont avoir un diabète, qui vont avoir des lésions sur les organes cibles, une insuffisance rénale sévère ou un score, un risque au score supérieur à 10%. Ensuite, une fois qu'on a identifié notre patient avec une hypertension artérielle, les recommandations nous disent qu'il faut faire des examens complémentaires. Et vous voyez que pour les examens complémentaires de base, ils sont relativement simples, hein. Une hémoglobine, une glycémie ou une hémoglobine glycosylée, un bilan lipidique, un dosage de potassium, de sodium, d'acide urique, une évaluation de la fonction rénale, un bilan hépatique, une analyse urinaire pour recherche de protéinurie, de microalbuminurie, et puis un électrocardiogramme. Donc ça, c'est le bilan basique recommandé par la Société européenne. Et vous voyez que tout ce qui est examen complémentaire, l'échographie, le Doppler carotidien, l'échographie abdominale, la mesure de la rigidité artérielle, le calcul des IPS, adresse de pression systolique, l'évaluation des fonctions cognitives ou l'IRM cérébral va se faire dans certains cas, mais pas de façon systématique. Donc, si on a un souffle cardiaque, on fera une échographie cardiaque. S'il y a une anomalie à l'électrocardiogramme, on fera une échographie cardiaque. Si on entend un souffle ou si le patient est vasculaire par ailleurs, qu'il a une maladie vasculaire diffuse, on fera un Doppler carotidien. Pareil pour le Doppler, l'échographie abdominale, hein, qu'on fera surtout dans un contexte de pathologie vasculaire. La rigidité artérielle peut se faire chez des patients aussi dans le cadre de la recherche d'artériosclérose. La mesure de l'IPS, Victor nous en parlerait mieux que moi, mais il faut avoir effectivement une suspicion de maladie athérosclérotique. Les troubles cognitifs, on va plutôt quand les patients sont âgés et faire un bilan des fonctions cognitives, et puis une IRM qui peut observer des lésions lacunaires, par exemple, si les gens justement ont des troubles cognitifs, donc pas de façon systématique. Ensuite, la prise en charge. Donc, la prise en charge, on a des mesures hygiéno-diététiques qu'on va proposer à tout le monde, quel que soit le grade d'hypertension, et même quand on est, vous voyez, en 130-80, où je disais que ce n'est pas encore de l'hypertension, ce qu'on appelle le niveau un peu élevé, normal, on propose toujours les mesures hygiéno-diététiques. Et puis ensuite, en fonction du grade de l'hypertension, grade 1, 2 ou 3, et du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire, hein, en fonction de la sévérité du risque cardiovasculaire, eh bien, si on est en grade 1, on proposera un traitement immédiat de l'hypertension artérielle chez des patients à très haut risque. Rappelez-vous, c'est ceux qui sont en rouge foncé sur le tableau. Sinon, si les patients sont à plus faible risque, risque modéré ou faible, on proposera uniquement les mesures diététiques. Et au bout de 3 à 6 mois, on réévalue et à ce moment, on débutera un traitement antihypertenseur
si le patient n'est pas contrôlé. Dans les deux autres cas, hypertension grade 2 et grade 3, vous voyez qu'en plus des mesures diététiques, on va commencer d'emblée le traitement. D'emblée le traitement, quasiment quel que soit le risque cardiovasculaire des patients, on commence d'emblée le traitement pour des hypertensions grade 2 ou grade 3. Donc oui, c'est assez simple, hein. On a évalué le risque. Le plus souvent, on va avoir quand même très vite accès au traitement, sauf pour les patients de grade 1 à faible ou modéré risque. Alors, on a vu qu'on propose les recommandations de modification du style de vie, donc ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques pour les hypertendus. Alors, première recommandation, c'est le régime sans sel. Vous voyez que par rapport aux dernières recommandations, ça a changé. Avant, c'était 6 grammes, bien là, c'est passé à 5 grammes, donc inférieur à 5 grammes par jour de sel. Ensuite, la consommation d'alcool. Vous voyez qu'on parle maintenant en unités par semaine et plus en nombre de verres par jour. 14 unités par semaine pour les hommes, 8 unités par semaine pour les femmes. Un régime riche en légumes, en fruits, en noix, donc c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen qui est proposé, et donc faible en graisse. Faire attention à son poids et viser 20 et 25. Enfin, pratiquer de l'exercice. Vous voyez que les recommandations proposent de faire 30 minutes d'exercice plutôt en mode aérobie, pratiquement tous les jours, entre 5 et 7 jours par semaine sont recommandés. Donc ça, beaucoup de nos patients ne font pas effectivement des 30 minutes d'exercice tous les jours. Et puis le dernier, c'est arrêter le tabac. Ça, ce n'est pas une mesure qui va faire baisser la pression artérielle, mais c'est une mesure utile pour la prévention du risque cardiovasculaire. Donc là, pour tous les hypertendus, à partir du moment où on est même au-dessus de 130, vous avez vu, il faut proposer ces règles hygiéno-diététiques. Ensuite, que proposent les recommandations sur l'objectif tensionnel? Vous voyez que l'objectif, on a vu que la définition était 140-90, eh bien, l'objectif, c'est d'avoir une pression inférieure à 140-90 pour tous les patients, quel que soit leur âge. On verra que même après 80 ans, l'objectif tensionnel est maintenant de dire 140-90. Ensuite, pour la plupart des patients, eh bien, en fait, on va avoir même un objectif plus bas, puisque l'objectif est plutôt de baisser la pression artérielle inférieure à 130-80 chez la plupart des patients. Donc, vous voyez que l'objectif tensionnel, qui était 140-90, a tendance à baisser, à être plutôt autour de en dessous de 130-80 pour la plupart des patients, notamment les patients les plus jeunes, les moins de 65 ans. Vous voyez que là, il est recommandé de baisser en dessous de 130-80 et idéalement d'arriver à une pression entre 120 et 130 pour la systolique chez la plupart des patients. Donc, vous voyez que l'objectif qu'on doit se fixer chez les gens de moins de 65 ans, c'est entre 120 et 130. Chez les patients les plus âgés, c'est que les anciennes recommandations nous disaient plutôt d'arriver autour de 250, 160. Eh bien, là aussi, les recommandations sont plus strictes, hein. On va pouvoir aller en dessous de 140-90 maintenant, et idéalement entre 130 et 140, entre 130 et 140 de systolique pour les patients de plus de 60 ans, et on verra que ça correspond même aux plus de 80 ans. Et puis que ces objectifs sont plus simples maintenant, hein, 130-80 pour la plupart des patients, quelle que soit la maladie cardiovasculaire sous-jacente. Vous savez qu'à une époque, on disait chez les diabétiques, chez les insuffisants rénaux, il faut avoir des objectifs plus stricts que chez les autres. Ben là, en fait, quelle que soit la pathologie sous-jacente, l'objectif est en dessous de 130-80 si on a moins de 65 ans. Sinon, c'est en dessous de 140-90. Alors, c'est remis bien sur cette table. Vous voyez qu'entre 18 et 65 ans, c'est en dessous de 130. C'est essayer de ne pas arriver trop bas en dessous de 120. Donc, c'est entre 120 et 130. Et puis, au-dessus de 65 ans, et même 80 ans, vous voyez que l'objectif, c'est en dessous de 140. Et idéalement, entre 130 et 140 pour tous les patients, que ce soit un hypertendu standard mais, ou un hypertendu diabétique, avec une insuffisance rénale, un coronarien, un patient qui a fait un accident vasculaire. L'objectif est le même pour tout le monde. Quand on est en dessous de 65 ans, entre 120 et 130. Quand on est au-dessus de 65 ans et même jusqu'à 80 ans, entre 130 et 180 pour la systolique. Et pour la diastolique, c'est à peu près inférieur à 80 pour tout le monde, et idéalement entre 70 et 80. Alors, c'est jamais facile d'arriver exactement à l'objectif, mais c'est ce qu'on doit essayer de viser. On a vu qu'on était très, très loin de ces objectifs.
puisque je vous ai rappelé sur le premier papier du Lancet le plus récent que c'est seulement 20% de la population qui est à l'objectif. Il y a uniquement les patients, parmi les patients les plus âgés, ce qu'on appelle des patients fragiles, donc ce sont des patients polypathologiques en perte d'autonomie ou alors avec une hypotension orthostatique ou une espérance de vie plus réduite, que là, l'objectif va être plus strict, va être moins strict. Et donc, à ce moment-là, là, on pourra viser plutôt inférieur à 150 mm de mercure pour la pression systolique. Quand il y a une hypotension orthostatique, quand ce sont des patients en nursing home avec une espérance de vie réduite. Alors, pourquoi est-ce que les recommandations ont proposé de baisser le seuil? Vous savez qu'il y a eu plusieurs publications. D'abord, la publication de l'étude SPRINT, où il y avait un groupe de patients randomisés pour avoir une pression inférieure à 140, un groupe pour avoir une pression encore plus basse, inférieure à 120, même si en moyenne, ils sont arrivés à 130. Et que vous voyez que dans le groupe traitement intense, par rapport au groupe traitement standard, on a 25% sur le critère principal qui associe de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire, 25% de réduction pour le traitement intense, avec notamment une réduction de la mortalité toute cause. C'est rare d'avoir des résultats aussi forts, près de 30% de réduction de la mortalité toute cause quand on est dans le bras traitement intense par rapport au bras traitement standard. Vous voyez qu'on est très, très loin de ces résultats-là quand on regarde les résultats actuellement en population mondiale. Une grande méta-analyse retrouve la même chose. Vous voyez qu'on regarde en fonction de l'objectif et inférieur à 130 pour les événements cardiaques majeurs, pour les événements coronaires, pour la mortalité toute cause. Mais dans cette méta-analyse, à chaque fois, il y a un bénéfice dans le groupe inférieur à 130. Donc, vraiment un bénéfice important. Et puis, dernier papier qui vient d'être publié, c'est un papier justement qui vient d'Asie, l'étude STEP. Là encore, des gens entre 60 et 80 ans randomisés, 8000 patients. Vous voyez que le traitement intense, réduction de près de 25%, là encore, les mêmes résultats que tout à l'heure, par rapport au traitement standard. Donc, ça fait deux études, deux grandes études randomisées qui retrouvent la même chose. Plus la pression est basse, moins il y a d'événements cardiovasculaires. Alors, pourquoi il ne faut pas aller trop bas? C'est qu'on a quand même des données, notamment pour les maladies coronaires, où quand on descend trop bas, vous voyez, 110, 100, c'est ce qu'on appelle une courbe en J, vous avez une augmentation de nouveau des événements mortalité et en dessous de 70 pour la diastolique. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, il faut être entre 120 et 130, ou 120 ou 130 et 140 si on est très plus âgé. Alors, dernier point, comment on y arrive? Quelles sont les recommandations de la Société européenne de cardiologie, vous voyez qu'il est proposé d'emblée, ça c'est quelque chose de tout nouveau, il est prouvé d'emblée un traitement par une bithérapie, deux médicaments d'emblée pour traiter l'hypertension artérielle. Et donc, dans ces associations, il y a soit un bloqueur du système rénine-angiotensine, soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique. On en met deux. Et d'emblée, sur des médicaments qui sont en association fixe, il y a un seul comprimé, mais les deux traitements, d'emblée la bithérapie. Et puis si ça ne suffit pas, on passe ensuite à une trithérapie, idéalement d'emblée, mais nous par exemple en France, je ne sais pas si vous l'avez en Asie, mais nous en France, on n'a pas l'AMM pour ces traitements un comprimé avec trois principes actifs. Donc en France, on fait une bithérapie plus un deuxième comprimé. L'hypertension résistante, j'en parlerai tout à l'heure, donc je ne vais pas détailler, c'est le troisième stade. Alors, vous voyez, il reste pour qui je vais commencer avec un seul médicament. Ce sont les patients grade 1, on a vu, pour les patients en grade 1, ou alors les patients très âgés, plus de 80 ans fragiles. Là, on ne commence pas par une bithérapie d'emblée, mais on fait une monothérapie. Puis, si elle n'est pas suffisante, on passe à la bithérapie. Puis, si ça ne suffit pas, on passe à la trithérapie. Mais chez ces patients fragiles, on continue à passer par d'abord un médicament, puis deux médicaments. Et vous voyez que dans les classes médicamenteuses, j'ai mis les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les bloqueurs, les calcium bloqueurs, les diurétiques, et que les bêta-bloquants n'apparaissent pas. Les bêta-bloquants, vous voyez, vont arriver vraiment en dernière ligne dans l'hypertension résistante, ou alors chez des patients pour qui il y a une indication du bêta-bloquant, l'insuffisance cardiaque, la maladie coronaire ou la fibrillation atriale, ou éventuellement la femme enceinte. Vous voyez, mais sinon, pas de bêta-bloquant, on sait que ça a une efficacité moindre sur la baisse de pression artérielle. Les recommandations américaines disent la même chose, deux médicaments d'emblée à partir du moment où on est en stade 2 de l'hypertension. Alors pour terminer, ça c'est ce qu'on fait nous en France. Vous voyez qu'on propose un bloqueur du système rénine-angiotensine, un diurétique, et c'est bien le diurétique thiazidique qu'il faut utiliser, pas le diurétique de Lens, et un antagoniste calcique.
Et puis ensuite, dans quel ordre on va mettre ces traitements-là? Vous voyez que pour un patient âgé, on commencera d'abord par. Alors là, le patient âgé, on commence d'abord par une monothérapie, donc soit d'abord par un calcique, soit ensuite on rajoute un diurétique et ensuite un bloqueur du système rénino-angiotensine. Pour les patients coronariens, on mettra d'emblée une bithérapie, bêta-bloquant IEC, et puis ensuite on rajoutera plutôt le calcique parce qu'il a un effet aussi vasodilatateur coronaire plutôt que le diurétique. Chez le diabétique, on va commencer d'emblée par un bloqueur du système rénino-angiotensine plus un antagoniste calcique. Et puis, on rajoutera ensuite un diurétique. Chez le patient insuffisant cardiaque, on commence d'emblée là par même trois médicaments parce qu'il y a toujours un diurétique de l'ANS, et puis ensuite un IEC et un bêta-bloquant. Ça, c'est le traitement d'insuffisance cardiaque, surtout quand la fraction d'éjection est altérée. Dans l'insuffisance rénale, on commence d'emblée par un bloqueur du système rénino-angiotensine plus un antagoniste calcique et on rajoute ensuite un diurétique. Et puis, pour le dernier, pour la fibrillation atriale, on commence d'emblée par un bêta-bloquant pour ralentir et un IEC pour éviter. Il y a des études qui montrent qu'il y a moins de récidive de fibrillation atriale. Et puis ensuite, on rajoutera un antagoniste calcique. On évite plutôt les diurétiques pour éviter le risque d'hypokaliémie et de passage en fibrillation atriale. Alors, dernier point, on a vu que ça, tout ça, c'est les recommandations de bonnes pratiques pour utiliser les médicaments, mais qu'il n'y a que 20% de la population mondiale qui est bien contrôlée. Alors, les deux responsables, on pourra en rediscuter. C'est l'inertie thérapeutique. Ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique, c'est le médecin prend la pression artérielle et finalement n'a pas changé son traitement. Ça, vous voyez, c'est une étude qui est un peu ancienne, mais on a tous les pays du monde. Alors, en Hongrie, c'est le contrôle tensionnel qui n'est pas très bon, on l'a vu. Et vous voyez que là, c'est les gens qui ont une pression artérielle élevée et dans combien de cas le médecin a augmenté le traitement. Là, la pression n'est pas contrôlée, mais vous voyez, en France, seulement 15% des cas, les médecins ont changé, augmenté le traitement. En Allemagne, 16%. En Italie, 21%. Oui, c'est très faible, hein. Le meilleur, c'était aux États-Unis. On a vu qu'il y a plus de gens contrôlés. Ben, c'est seulement 38%. Donc, il y a vraiment, les gens voient leurs patients hypertendus en consultation et n'augmentent pas le traitement quand ils les ont vus. Donc là, il faut vraiment suivre les recommandations et augmenter le traitement si le traitement n'est pas contrôlé. Et puis, le dernier, la deuxième cause, hein, si ce n'est pas à cause de la non-augmentation du traitement, de ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique, c'est les patients. Les patients peuvent être non observants et vous voyez que dans ces grandes méta-analyses, on a 50% des hypertendus qui ne prennent pas leur traitement. Et donc, c'est toute la difficulté. On en parlera tout à l'heure dans l'hypertension résistante, de l'observance thérapeutique. Les patients sont asymptomatiques. Comment leur faire comprendre la prévention, l'intérêt de prendre un médicament tous les jours alors qu'ils n'ont aucun symptôme? Donc, il faut qu'ils comprennent le bénéfice, il faut avoir pris du temps pour leur expliquer, sinon, effectivement, les gens ne prennent pas leur traitement. Et vous voyez, c'est bien montré, les gens non contrôlés, ne prennent pas leur traitement dans 84% des cas. Donc, les médicaments marchent bien, simplement, il faut soit augmenter les traitements, soit surtout que les patients prennent leurs médicaments. Alors, comment pouvoir améliorer cette observance thérapeutique, hein? Il faut informer les patients sur leur risque de l'hypertension. Je vous ai parlé tout à l'heure du risque de démence. Moi, c'est quelque chose que je propose souvent aux patients parce que la démence, ça fait peur. La maladie d'Alzheimer fait peur aux patients et ça peut les impliquer dans leur observance thérapeutique. Il faut responsabiliser les patients, leur demander s'ils ont des symptômes, hein, s'ils ont bien toléré leur traitement, leur demander pourquoi ils ne prennent pas leurs médicaments et essayer de changer le traitement pour proposer une observance thérapeutique. Il faut aussi promouvoir l'automesure tensionnelle, puisque l'automesure tensionnelle va impliquer le patient dans sa pathologie, et donc il va probablement mieux prendre son traitement. Hein, ça, c'est un papier qu'on a publié récemment. Vous voyez qu'on a randomisé des gens, des hypertendus, un groupe contrôle et un groupe à qui on a proposé de l'automesure ici en noir. On les a revus 2 ans plus tard, et vous voyez que ceux qui avaient un suivi avec leur automesure, avait un meilleur contrôle tensionnel et de façon significative, la pression était plus basse que ceux qui n'avaient pas de suivi par de l'automesure. Vous voyez que c'était quand même un nombre important de 2000 patients qu'on avait randomisés. Donc, il faut proposer des stratégies. On peut proposer des SMS, par exemple, sur le téléphone, hein, qui disent c'est l'heure de reprendre le médicament. Chez les gens âgés, isolés ou avec des troubles de la mémoire, il faut des fois que ce soit la famille, soit une infirmière, hein, qui puisse aider à proposer les médicaments. Et puis, dernier point,
Dans les stratégies thérapeutiques, c'est la bithérapie. Les associations fixes, vous voyez, quand on a deux comprimés dans deux médicaments dans un comprimé, vous voyez que de façon significative, ça améliore l'observance de 20%. Ça améliore aussi le pronostic, hein, commencer par une bithérapie, comme le disent les recommandations, mais vous voyez que vous avez ici une réduction significative si j'ai commencé par une association plutôt que par une monothérapie, réduction significative. Dernier point, il faut qu'il y ait aussi sur le plan de la santé, du système de santé, une motivation pour encourager l'observance, hein, développer la téléconsultation, l'implication des infirmières, des pharmaciens dans l'observance des médicaments et le remboursement. Et je vous dis, nous, par exemple, en France, on n'a pas le remboursement pour les trithérapies fixes et avoir, bien sûr, un remboursement aux médicaments. Donc, pour conclure, on a vu que l'hypertension est une des pathologies, la pathologie la plus fréquente dans le monde, hein, 30% de prévalence, et pourtant seulement 20% de personnes contrôlées. L'objectif est maintenant inférieur à 140-90 pour tout le monde, et pour les moins de 65 ans, inférieur à 130-80. Bithérapie d'emblée pour tous les patients, sauf les très âgés ou les hypertensions grade 1, où on commencera d'abord par la monothérapie. Et puis, pour arriver à cet objectif, il faut vraiment que le docteur ne reste pas inerte et lutter contre cette mauvaise observance qui est malheureusement, pour l'instant, trop fréquente. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout d'abord, je m'excuse pour mon absence par perte de connexion. Je proposerai, Olivier, qu'on aborde toutes les questions après ta deuxième présentation. Comme ça, on va discuter tous les cas d'hypertension artérielle. Et pour rattraper un petit peu le temps, je vais donc passer la parole au docteur Men Sengelip de l'hôpital Calmette au Cambodge. Docteur Men, qui est donc cardiologue interventionnel, je vous passe la parole. Bonjour, je m'appelle Men Sengelip, cardiologue interventionnel, travaille à l'hôpital Calmette de Cambodge. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec vous, les médecins de société européenne, surtout française. Je vais présenter un sujet qui paraît simple mais complexe, c'est l'hypertension en Asie. Pourquoi simple? Parce que on le sait bien que l'hypertension contribue à la charge de morbidité par maladie cardiovasculaire, à la survenue de décès prématurés et incapacité complexe, parce que l'hypertension présente des caractères différents dans l'Asie par rapport aux États-Unis ou en Europe. D'abord, on va voir l'impact des maladies cardiovasculaires mondiales. On voit ici que les maladies cardiovasculaires est le tueur numéro 1 qui est responsable d'environ 18 millions de décès par an, soit près d'un tiers de la mortalité totale mondiale, alors que supérieur à 75% de décès liés aux maladies cardiovasculaires surviennent dans les pays à revenus faibles et à pays revenus intermédiaires. Et selon l'étude, Global Burden Disease a montré que le numéro de décès liés aux maladies cardiovasculaires s'augmente globalement, passant de 14 millions en 2000 à environ 16 millions en 2010 et à 18 millions en 2019. Le pays qui présente le nombre le plus élevé est la Chine, suivi par l'Inde, la Fédération de Russie, les États-Unis et l'Indonésie. Et on voit ici que 6 millions de décès sont entre 30 ans et 70 ans. Et les maladies cardiovasculaires, cardiopathie ischémique et les accidents vasculaires cérébraux sont les deux principales causes de décès. Et parmi les facteurs de risque cardiovasculaire, on voit ici que l'hypertension est un risque
majeur qui occupe la place numéro 1 depuis 1919 jusqu'à présent. Et on voit également il y a une tendance, différence entre les pays à revenus faibles, moyens et élevés. Il y a une tendance à s'augmenter. La prévalence s'augmente dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Par contre, il commence à descendre lentement dans les pays à revenus élevés. Et pourquoi Asie est important? Parce que Asie est vaste et diversifiée à la fois en termes géographiques et en termes socio-économiques. Et on voit ici que l'Asie occupe la première, seconde et troisième place de la population mondiale. Donc, la prévention des maladies cardiovasculaires en Asie est un enjeu important pour la santé mondiale parce que plus de 50% de population mondiale vit en Asie et plus de moitié des cas de cardiovasculaires sont estimés en Asie. Et on voit également que plus de moitié asienne population sont inférieures à 30 ans, qui a une tendance de vieillissement et donc une élévation des préventions, de prévalence de l'hypertension en Asie dans l'avenir. Et on voit que la prévalence reste entre 11 et 30% et il y a encore même une tendance à s'augmenter dans l'avenir. Et on voit ici que presque plus de moitié des cas ne sont pas diagnostiqués, qui est un souci majeur pour la santé publique dans les régions asiatiques. Comme le taux de mortalité mondiale, les maladies cardiovasculaires est une cause principale de décès en Asie qui est responsable d'environ 11 millions de décès, soit 35% de mortalité totale en Asie. Alors que, comme le monde, l'hypertension est le risque majeur qui est responsable la majorité des décès liés aux maladies cardiovasculaires. Et on voit ici que il y a une division significative entre les pays développés et les pays en voie de développement en Asie. Le pays le plus riche a le moins le taux de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires. Par exemple, ici, on voit que Japon, la République de Corée, Singapour, Brunei, Émirats Arabes Unis, ce sont des pays à revenus élevés, présentent moins de décès par rapport aux pays à revenus faibles en Asie, par exemple Cambodge, Myanmar, Népal, République démocratique de Corée, République démocratique populaire Laos, par exemple. Donc, cette condition qui touche beaucoup plus les populations dans les pays à revenus faibles et les pays à revenus élevés, mais un fardeau engendre un fardeau économique important. Au sud-est, les maladies, les cardiopathies ischémiques est moins par rapport aux accidents vasculaires cérébraux, ce qui est différent de l'Europe et des États-Unis également. Quels sont les facteurs de risque qui contribuent à l'hypertension en Asie? Donc, il y a un groupe de facteurs importants, c'est des facteurs socio-démographiques et des facteurs de risque comportementaux. Les facteurs socio-démographiques, c'est la mondialisation, urbanisation, vieillissement, les revenus différents dans la région, le niveau de l'éducation, logement, infrastructure qui rend difficile aux soins médicaux. Et les facteurs de risque comportementaux, ce sont des mauvaises alimentations,
les conformations importantes de sel, tabagisme, les manques d'activité physique qui, une part liée à urbanisation et mondialisation, et usage nocif de l'alcool. Donc, ce sont des facteurs qui rendent une élévation importante la prévalence de l'hypertension dans les différentes régions en Asie, surtout les pays à faible, à revenus faibles et les pays à revenus moyens. Voilà quelques exemples de l'obésité en Asie. On voit qu'il y a une tendance à augmenter l'obésité en Asie. Et le plus important ici, c'est il y a une proportion importante de vieillissement des populations, alors qu'en Asie, les personnes âgées de 65 ans et plus devrait passer de 7,4% en 2015 à 10,9% en 2030. Donc, c'est vraiment un souci dans l'avenir très proche, la tendance d'une élévation de prévalence de l'hypertension et c'est-à-dire le taux de mortalité qui va rester à surmonter. Le taux de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires en Asie. Et voilà, l'Asie du Sud et l'Asie Sud-Est, le pourcentage de changement de décès de maladies cardiovasculaires a augmenté à 97% pour l'Asie du Sud et 90% pour l'Asie Sud-Est de 1900 90 à 2013. Ici, c'est un autre exemple des facteurs de risque contribuent à l'hypertension important et significatif en Asie qui est différent de l'Europe. C'est la consommation importante de sel, de sodium, qui est beaucoup plus presque doublée par rapport à la recommandation de l'OMS qui est alors qu'ici, on voit que la consommation en moyenne est supérieure à 3 grammes de sodium par jour. Quels sont les fardeaux de l'hypertension en Asie? Donc, ce qu'on a vu, l'hypertension impacte la santé publique, mais également les économies. Donc, la gestion de conditions et des complications touche directement au système de santé et qui peut engendre la perte de productivité. Par exemple, ici, selon Global Burden of NCD Harvard School of Public Health en 2011, qui a montré que le poids économique des maladies non transmissibles, alors que plus de moitié responsable par les maladies cardiovasculaires, alors que le coût d'économie était 7 000 milliards de dollars en 2008. Et on voit également que la distribution de l'hypertension est différente entre l'Asie et le reste du monde, mais également dans l'Asie elle-même. Approche à l'hypertension qui concernant les caractéristiques de l'Asie est une prévention pour développer une prévention effective des maladies cardiovasculaires et les lésions organiques liées aux maladies cardiovasculaires. Et on a vu qu'en Asie, les accidents vasculaires cérébraux liés à l'hypertension est plus commun que les cardiopathies ischémiques en Europe. Voilà. Alors ici, je vous montre quelques
Quelques exemples où c'est un court information, courte information concernant le fardeau lié aux maladies cardiovasculaires au Cambodge, alors que les maladies non transmissibles au Cambodge est responsable de 64% de mortalité totale au Cambodge. Et la prévalence de l'hypertension parmi les populations entre 18 ans et 69 ans était 14,2% selon STEPS survey en 2016. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Ensuite, merci beaucoup, Dr. Mensingli, pour votre excellente présentation. Et ensuite, je voudrais inviter le Dr. Haitian Nguyen de l'Institut du cœur de Bạch Mai de Hanoi, de Vietnam, qui va nous présenter un thème sur la prise en charge de l'urgence hypertension. Je vous prie de prendre votre parole, Dr. Haitian. Bonjour, professeurs et collègues. Je suis honoré de participer au congrès de cardiologie de l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques expériences concernant la prise en charge de l'hypertension en urgence. Récemment, j'ai travaillé au centre de soins intensifs pour les patients COVID-19 dans l'hôpital de campagne à Saigon. Je voudrais partager avec vous quelques cas cliniques. Madame A a été hospitalisée à cause du COVID-19. Il s'agissait d'une patiente hypertendue traitée par losartan. À l'entrée, les amants cliniques étaient normaux, à l'exception de la pression artérielle mesurée dans les deux bras qui était 190 sur 110 mmHg. Les amants biologiques, l'échocardiographie et l'électrocardiogramme étaient normaux. Alors, est-ce qu'elle a eu une poussée hypertensive ou une urgence hypertensive? Deuxième cas clinique. Il s'agissait d'une patiente de 84 ans, diabétique, hypertendue, qui a été adressée en urgence pour dyspnée. À l'examen clinique, on trouve une orthopnée avec la saturation d'oxygène aux alentours de 88%. La PA mesurée dans les deux bras était 200 sur 110 mmHg. À l'auscultation, la fréquence cardiaque régulière. Mais au niveau des poumons, elle présente des rangs crépitants bilatéraux. Ici, c'est le traitement d'emblée. Donc, le diagnostic qui a été porté rapidement, c'est la crise hypertensive avec OAP. Oh non, non, non. Pourquoi? Mes chers collègues, les urgences hypertensives sont des situations où des valeurs de PA sont très élevées, sont associés à des lésions organiques immédiates induites par l'hypertension et, par conséquent, nécessitent une réduction immédiate de la PA pour limiter l'extension ou favoriser la régression des atteintes aux organes cibles. Le type de lésion de l'organe cible est le principal déterminant du choix du traitement de la PA cible et du délai dans lequel la PA doit être abaissée. L'augmentation de la pression artérielle reste le principal facteur de risque contribuant à la charge mondiale de morbidité et mortalité dans le monde. My Measurement Month 2019 était une campagne mondiale
de dépistage de la pression artérielle de la Société internationale d'hypertension. Les proportions globales d'hypertendus en 2019 étaient 34%. Ce chiffre au Vietnam était 33%. À propos de l'étiologie, il existe des différents cordages entre les établissements, mais cependant, un patient sur 200 se présente aux urgences avec une suspicion d'urgence hypertensive, malgré l'amélioration du traitement de l'hypertension au cours des dernières décennies. L'incidence des urgences hypertensives n'a pas diminué. Ce diagramme nous montre la stratification des urgences hypertensives selon la fonction ou l'organe cible concerné. Les patients qui ne présentent pas de lésions aiguës des organes cibles dues à l'hypertension au cœur, à la rétine, au cerveau, au rein ou aux roches artérielles n'avaient une urgence hypertensive et peut-être traité par voie orale et libéré après une brève période d'observation. Au contraire, les patients présentant une urgence hypertensive doivent être admis pour la surveillance très étroite et dans la plupart des cas traité par voie intraveineuse pour atteindre la cible de la PA recommandée dans le délai précis. Les principaux organes cibles des lésions médiées par l'hypertension artérielle sont le cœur, la rétine, le cerveau, le rein, les roches artérielles avec des retentissements sévères sur les fonctions vitales comme la dissection aortique, syndrome coronarien aigu, OAP, AVC ischémique ou hémorragique, etc. Au bilan diagnostique, en plus de confirmer une hypertension sévère, nous devons rechercher des facteurs déclenchants de l'urgence hypertensive et surtout des signes et symptômes des lésions d'organes cibles. Voici les antécédents et les facteurs de risque à explorer. Les symptômes d'urgence comprennent des maux de tête, troubles visuels, confusion, dyspnée et symptômes neurologiques focaux ou généraux. Autres symptômes fréquents mais moins spécifiques comprennent des rétourdissements, céphalées, pseudo-vertiges résultant des altérations de l'autorégulation cérébrale et troubles gastro-intestinaux. À l'examen clinique doit se concentrer sur l'élévation, l'évaluation cardiaque et neurologique. La PA doit être mesurée dans les deux bras et au ventre inférieur pour détecter les dissections aortiques. Il y a des tests communs, voilà, pour toutes les causes potentielles et des tests spécifiques par indication. En cas de suspicion de dissection aortique, l'imagerie aortique est la plus importante. Une suspicion de l'OAP ou SCA nécessite le CG ainsi que la radio pulmonaire. Une échocardiographie transthoracique peut être envisagée pour évaluer la structure, la fonction du VG. Le bilan diagnostic ultérieur dépend de la présentation clinique et peut inclure un scanner ou un IRM cérébral. Un examen de fond d'œil doit être réalisé en cas de suspicion de l'APA maligne. Alors, nous revenons au premier patient qui a eu une simple poussée hypertensive. Sa tension artérielle s'est progressivement stabilisée avec l'ajout d'amdolipine à son régime quotidien. Pour le deuxième patient,
Le diagnostic du sang hypertensif avec l'œdème pulmonaire aigu a été établi. Ici, voilà. Ici, c'est la liste des avant-bras cliniques à effectuer. Le diagnostic de syndrome coronaire aigu sans élévation du segment ST a été posé en raison de la sous-décalage du segment ST en V4, V5, V6 accompagné d'une élévation de la troponine T. Cependant, la fonction systolique ventriculaire gauche a été préservée et aucun trouble de mouvement résonant n'a été observé à l'échocardiographie. Les rangs principaux du traitement hypertensif d'urgence sont les suivants: hospitalisation pour la surveillance intensive, réduction immédiate de la PA à un niveau plus sûr et contrôlé pour prévenir et limiter lésions à grande suite. Le traitement antihypertenseur d'action rapide injectable, durée, la rétendue, la manière et le type d'antihypertenseur dépendent du tableau clinique. Avec la première intention, c'est la labétalone ou nicardipine. Une synthèse de la prise en charge des agents hypertensifs selon les organes cibles touchés est présentée dans ce tableau. Dans le cas où une hypertension chevale est associée à un syndrome coronaire aigu, la post-charge doit être réduite sans augmentation de la fréquence cardiaque afin de diminuer la demande en oxygène du myocarde sans compromettre le temps de remplissage diastolique. La nitroglycérine et l'abétalone ont été utilisés pour abaisser la PA dans ce cas-là. En réalité, il y a un écart entre la recommandation et la pratique. La nifedipine sur la langue provoque une chute soudaine et incontrôlable de la PA. Elle peut aussi précipiter des événements ischémiques, cérébraux, rénaux et myocardiques. C'est pourquoi le comité consultatif cardio-rénal de la FDA conclut la pratique d'administration de nifedipine sublingue devrait être abandonnée car cette attente n'est ni sûre ni efficace. Malgré la recommandation de l'Association nationale de cardiologie du Vietnam, la nifedipine rapide est malheureusement présente dans certains armoires à pharmacie de certains hôpitaux locaux. Mes chers collègues, parmi les facteurs de risque établis associés à la maladie coronavirus de CVA 2019, l'hypertension est une des comorbidités les plus courantes des élévations aiguës de la PA et une PA instable à l'hôpital peut être associée à une mortalité à l'hôpital. Une admission transfert en musique et à une insuffisance cardiaque avec des lésions aiguës des organes cibles. L'invasion directe de cellules endothéliales par le SARS-CoV-2 favorise les lésions cellulaires, inflammation microvasculaire, les cytoses endothéliales et endothélite. De plus, certaines observations soutiennent un effet direct de l'invasion du SARS-CoV-2 sur la régulation homéostatique du système vasculaire et de la pression artérienne telle que médiée par l'interaction avec des récepteurs de l'enzyme conversion l'angiotensine 2. Il y a deux questions. Existe-t-il une association entre hypertension et le risque du COVID-19 et sa gravité? Y a-t-il un avantage ou un risque à utiliser
des bloqueurs du système de renine-angiotensine dans le contexte du COVID-19? Le patient avec la maladie cardiovasculaire sur la santé, y compris l'hypertension avec pronostic plus défavorable, plus de mortalité plus élevée. Mais l'association entre l'hypertension et le risque de complications graves ou de décès par l'infection du COVID-19 est confondue par le manque d'ajustement en fonction de l'âge. Il n'existe actuellement aucune preuve suggérant que l'hypertension en soi est un facteur de risque indépendant de complications graves ou de décès dus au COVID-19. Les études méta-analysées ont montré qu'il n'y a pas d'association entre le traitement de l'IEC RAR2 et le risque de complications graves et de décès chez le patient COVID-19. Pour la prise en charge de l'hypertension artérielle dans le contexte de la COVID-19 pour patients hypertendus hospitalisés, il nous faut poursuivre le traitement avec des médicaments antihypertenseurs conformément aux recommandations de l'EST 2018. On n'a pas besoin d'ajuster des médicaments ou d'arrêter IEC AR2 à cause de la pandémie de COVID-19. Des antihypertenseurs parentéraux seront nécessaires pour les patients ventilés et les patients hypertendus en urgence. La prise en charge de l'hypertension dans le contexte de la COVID-19 pour les patients ambulatoires, il nous faut poursuivre le traitement avec des médicaments antihypertenseurs. On n'a pas besoin d'ajuster des médicaments ou d'arrêter IEC RAR2. Les patients continuent à surveiller la PA à la maison si possible. Ils n'ont pas besoin d'examens cliniques de routine à la clinique pendant la pandémie. Il vaut mieux qu'on utilise une téléconsultation avec le patient si nécessaire. En conclusion, nous voudrions souligner quelques points. Hypertension en urgence est une situation rare. Elle nécessite d'être hospitalisée en usine pour la prise en charge. Le type de lésion de l'organe cible est le principal déterminant du choix du traitement, de la PA cible et du délai dans lequel la PA doit être abaissée. Le diagnostic et le traitement de l'urgence hypertensive chez le patient atteint de COVID-19 sont similaires à ceux sans COVID-19. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai eu des vrais soucis de connexion? Je m'excuse. Je ne suis pas certain que qu'on puisse m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? On entend, ouais. Oui. Ah, on parfait, entend très bien. Très bien, merci beaucoup. Olivier, est-ce que tu as ta deuxième présentation à faire, c'est ça? Oui, je vais essayer de rattraper le temps en faisant plus court. Super. C'est bon, vous voyez là? Absolument. Alors, on va parler de, j'en ai un tout petit peu parlé, mais qu'appelle-t-on l'hypertension artérielle résistante? Alors là aussi, il faut regarder les recommandations. Il y a trois points à avoir. Ce qu'on appelle une hypertension résistante, c'est une hypertension malgré le traitement optimal. Donc, les trois médicaments dont on a parlé tout à l'heure, hein, un bloqueur du système renine-angiotensine, un antagonisme et un diurétique. Et il faut que ça soit vraiment résistant à une trithérapie, dont un diurétique, avec des pressions qui restent supérieures à 140-90. Deuxième point, il faut que cette hypertension soit confirmée en automesure ou par une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et troisième point,
il faut avoir exclu ce qu'on appelle une hypertension pseudo-résistante. C'est-à-dire que ce dont on a parlé tout à l'heure, les gens qui ne prennent pas leurs médicaments, une mauvaise observance, ou alors on verra un petit peu ce qu'on appelle l'hypertension secondaire. Il y a quelques rares causes d'hypertension secondaire. Donc, résistant à trois médicaments, confirmé en automesure, qu'il ne soit pas une pseudo-hypertension. Alors, quelle est la prévalence de cette hypertension résistante? Vous voyez que c'est très variable. Selon la littérature, c'est de 5 à 30 %. Et si vraiment on prend en compte les trois points que j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt inférieur à 10 %. D'habitude, il y a soit de la mauvaise adhérence, soit de l'hypertension secondaire, mais sinon on retient, c'est moins de 10 %. Alors, quel est le profil de ces patients avec hypertension résistante? Vous voyez, c'est plutôt des gens âgés, avec une surcharge pondérale, qui prennent beaucoup de sel et qui ont de façon chronique une pression qui est déjà un petit peu élevée et qui peuvent avoir soit un retentissement des organes cibles, soit du diabète. Alors, le pronostic des patients avec hypertension résistante est plus sévère. Vous voyez que ça, c'est une des plus grosses cohortes où vous voyez que les hypertendus résistants font 18 % d'événements comparé à des non-résistants qui font 13 % d'événements. Ça fait 47 % d'événements en plus. Alors, quel est l'algorithme que propose la Société européenne pour détecter cette hypertension résistante? Je vous ai dit, d'abord, il faut confirmer par une automesure, on en a parlé tout à l'heure, il faut que cette hypertension résistante ne soit pas de l'hypertension blouse blanche, mais donc retrouver en automesure, on a vu les normes tout à l'heure. Là, je vous montre une application qu'on a créée, nous, en France. Donc, je vous ai dit, je suis président du comité de lutte contre l'hypertension artérielle, et donc c'est une application que vous pouvez avoir sur l'Apple Store ou Android, Suivi HTA, qui permet aux gens de mesurer leur pression artérielle sur une application. Deuxième point, il faut, après avoir fait l'automesure, être sûr de l'adhérence des patients. Et je vous ai dit tout à l'heure, près de 50% des gens ne sont pas bien observants à leur traitement. Et donc, on se fait souvent piéger. Je vous ai montré cette diapositive tout à l'heure. Ça, c'est une étude très importante. C'est une étude faite en France sur la dénervation rénale. Les gens avaient signé un consentement. Ils signent un consentement. Ils jurent qu'ils prennent bien leurs trois médicaments. Et donc, on est dans le cas d'hypertension résistante. Et ils vont avoir une dénervation ou du placebo. Eh bien, vous voyez qu'on leur a dosé les médicaments. On peut doser les médicaments avec de la spectrométrie de masse dans les urines ou dans le sang. Et que chez ces personnes qui avaient juré prendre trois médicaments, vous voyez qu'en fait, il n'y en a que 50% qui prenaient bien les trois médicaments. 13% ne les prenaient pas du tout, alors qu'ils avaient juré qu'ils les prenaient. Et vous voyez que 39% avaient une observance de 70%. Ils prenaient 2 sur 3 des médicaments. Donc, l'observance, c'est très compliqué à gérer. Ensuite, il faut être sûr qu'on a bien mesuré la pression artérielle, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le bon brassard, et être sûr chez les patients très âgés qu'on n'est pas sur ce qu'on appelle la médiacalcose, la calcification brachiale. Dernier point, on en a parlé tout à l'heure, cette fameuse inertie thérapeutique, il faut bien qu'on ait monté à trois médicaments pour parler d'hypertension résistante. Ensuite, il faut exclure les causes médicamenteuses. Donc, il y a toute une liste de médicaments qui peuvent faire monter la pression artérielle. Donc, vous avez dans les recommandations de l'ESC, la pilule contraceptive, c'est classique chez les femmes jeunes. Les décongestionnants nasaux, qui contiennent de la phénylephrine, par exemple. Chez les plus jeunes, l'amphétamine, la cocaïne, qui peuvent faire monter la pression artérielle. Vous avez le réglisse, qui est une drogue qui peut faire monter la pression artérielle, des traitements immunosuppresseurs, les anti-angiogéniques dans les cancers, et puis certains stéroïdes, par exemple, les corticoïdes, les anti-inflammatoires, qui font monter la pression artérielle. Donc, il faut regarder le listing de est-ce que le patient prend un de ces médicaments. Et puis ensuite, on va chercher ce qu'on appelle l'hypertension secondaire, à une cause secondaire. Vous savez que c'est relativement rare, mais les causes les plus fréquentes, c'est l'hyperaldostéronisme primaire, la sténose d'artère rénale, l'apnée du sommeil ou l'insuffisance rénale chronique. Et puis, plus rarement, le phéochromocytome, l'angiodysplasie fibromusculaire, la coarctation aortique, c'est très rare, la maladie de Cushing ou l'hyperparathyroïdie. Et vous avez ici les prévalences, vous voyez que c'est plutôt l'apnée du sommeil, l'insuffisance rénale,
les plus fréquents, ensuite la sténose artère rénale, ensuite l'hyperaldostéronisme, et puis les autres sont vraiment, vous voyez, entre 1 et 3%, c'est très rare. Alors, quand est-ce qu'on va suspecter une hypertension secondaire, hein, bien, c'est quand une hypertension grade 2 va arriver chez quelqu'un de moins de 40 ans, quelqu'un de jeune, quand il y a une aggravation rapide des chiffres tensionnels, l'hypertension donc résistante, c'est la définition, quand on a d'emblée une hypertension grade 3, hein, on a parlé tout à l'heure de l'hypertension de l'urgence hypertensive, quand il y a une hypertension avec un retentissement rapide sur les organes cibles, hein, une HVG très rapide, par exemple, quand il y a des éléments biologiques, une hypokaliémie qui fera penser à un hyperaldostéronisme, ou quand il y a des symptômes d'apnée du sommeil. Donc, à ce moment-là, il y a certains examens cliniques qu'il faudra faire pour les causes rénales, l'écho du rein, le Doppler des artères rénales ou l'angio-scanner des artères rénales. L'hyperaldostéronisme primaire, le dosage d'aldostérone réline et un scanner des surrénales. Syndrome d'apnée du sommeil, le questionnaire Epworth sous une polysomnographie, le feu au chromocytome, on dose les méthanéphrines urinaires, hein, pas dans le sang, et on fait un scanner des surrénales, et la maladie de Cushing, on dose le cortisol urinaire, le cortisol sanguin, et on peut faire un test à la dexaméthasone, et à ce moment, on n'a pas le freinage qu'on devrait observer. Alors, les causes, hein, je ne vais pas toutes les détailler, hein, on a vu que le syndrome d'apnée du sommeil, c'était fréquent, vous connaissez ce profil de patient un peu obèse, et on fait donc une polysomnographie. Et si on a des AHI supérieurs à 30 par heure, donc c'est ce qu'on appelle l'index apnée-hypopnée, bien vous voyez qu'on a un syndrome d'apnée du sommeil sévère, et que quand on regarde la littérature, bien si on propose un appareillage hein, pour ces apnées du sommeil, on réduit de 7 mm la pression systolique. Donc, ça vaut le coup. On va réduire de 7 mm la pression chez ces patients à qui on diagnostique l'apnée du sommeil. La sténose artère rénale, c'est plutôt les patients plus âgés avec un profil vasculaire. Et donc là, on fera un Doppler des artères rénales ou un angioscanner des artères rénales qui permettra d'objectiver la sténose. Alors, est-ce qu'il faut pour autant dilater les sténoses artères rénales? Vous voyez que la plupart des essais randomisés ont montré que finalement, sur le pronostic, il n'y avait pas de différence quand on prend le patient tout venant et qu'il existe des tableaux hein, de patients à qui on va proposer la sténose artère, une revascularisation, c'est justement l'hypertension résistante, une progression rapide et sévère de l'hypertension, une altération rénale et récente de la fonction rénale, une altération importante de la fonction rénale sous IEC ou ARA2, ou alors un OAP flash. Si on n'est pas dans ces conditions, il n'y aura pas d'intérêt à proposer une dilatation de l'artère rénale athéromateuse. Et puis ensuite, l'hyperaldostéronisme primaire, ben, on a vu que ça va être le scanner qui permettra de voir soit un adénome, soit une hyperplasie des surrénales. Et puis ensuite, on fait un dosage de l'aldostérone plasmatique qui va diminuer et de la rénine qui va être diminuée, l'aldostérone va être augmenté, hyperaldostéronisme. Augmentation de l'aldostérone, diminution de la rénine dans le sang. Donc, une fois qu'on a éliminé ces causes secondaires, eh bien, on est vraiment sur l'HTA résistante. Et donc, comment est-ce qu'on va proposer le traitement de l'HTA résistante? On reprend les mesures diététiques, notamment la restriction de sodium si ça n'avait pas été fait. Et puis ensuite, la recommandation, c'est de rajouter aux trois médicaments un quatrième médicament qui est l'aspironolactone. L'aspironolactone, s'il n'y a pas d'insuffisance rénale et si le potassium, il n'y a pas d'hypercaliémie, a une dose de 25 ou 50 mg par jour. En quatrième médicament, vous voyez qu'il y a toute une littérature. Vous réduisez ici de 16 mm de mercure la systolique, de 6 la diastolique par rapport à du placebo. En MAPA, en mesure ambulatoire sur 24 heures, vous voyez qu'on a là aussi des réductions significatives de la pression artérielle. Donc, on propose 25 ou 50 mg de spironolactone. Et vous voyez que finalement, ça ne fait pas tellement monter le potassium, juste 0,18 mmol. Donc, c'est ce que proposent les recommandations. Si on ne tolère pas la spironolactone parce qu'on a un effet gynécomastie, par exemple, bien à ce moment-là, on va proposer un autre diurétique qui est soit l'éplérénone, soit l'amyloride, et hyperkaliémie aussi, qu'on peut proposer, ou alors
augmenter la dose du diurétique thiazidique ou alors mettre un diurétique de lance. L'eplérénone, entre 50 et 100 mg par jour. L'amyloride, hein, qui est un vieux médicament, mais qui marchera, entre 10 et 20 mg par jour. Si on a un diurétique thiazidique, on peut aussi switcher le diurétique. Et vous savez que les hydrochlorothiazides sont un petit peu moins efficaces. Et les plus efficaces sont la chlortalidone ou l'indapamide. Donc, on peut utiliser éventuellement ces diurétiques thiazidiques que l'hydrochlorothiazide. Et puis, s'il y a une insuffisance rénale sévère, on va plutôt préférer un diurétique de lance plutôt qu'un diurétique thiazidique si la clairance est inférieure à 30 mmHg. En dernier cas, vous voyez, le bêta-bloquant ou un alpha-bloquant, la doxazosine, peuvent être proposés aussi si ça n'a pas suffi avec la spironolactone. Alors, tout ça vient de cette grande étude, hein, l'étude Pathway, où vous voyez que par rapport à du placebo, ben, on a une plus grande efficacité, une plus grande baisse de pression chez la HTA résistante spironolactone amyloride, et puis éventuellement, on a vu bisoprolol doxazosine. C'est ce qui est marqué dans les recommandations, on l'a vu tout à l'heure. Pour l'hypertension résistante, on rajoute de la spironolactone, 25 à 50, ou alors un autre diurétique, on change de diurétique, un alpha-bloquant ou un bêta-bloquant. Dernier point, vous savez qu'on a longtemps parlé de la possibilité de la dénervation rénale avec les premières études Simplicity 1 et 2, où là, on avait une baisse très spectaculaire de la pression systolique. Donc, on s'est dit, c'est le traitement de l'HTA résistante. Et puis, il y a eu la troisième étude Simplicity numéro 3, où on a fait ce qu'on appelle du sham. C'est-à-dire que le groupe placebo, on faisait comme si on allait faire la dénervation, on mettait en place le processus, comme un geste invasif, mais on ne déclenchait pas la dénervation. Et là, de façon très surprenante, tout le monde a été surpris, mais il n'y avait plus de différence significative sur la baisse de pression artérielle. Donc, vous voyez, pour ces interventions, il faut aller jusqu'à faire comme si on allait faire le geste, mais à la dernière moment, on ne fait pas le geste alors qu'on a mis en place les guides et qu'on a fait la procédure invasive, mais on ne déclenche pas le tir et à ce moment-là, il n'y avait plus de bénéfice. Donc, à ce moment-là, les recommandations, les dernières recommandations, vous voyez que là, on est en recommandation rouge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire, ne recommande pas en routine la dénervation rénale. Alors, ces recommandations sont de 2018. Depuis, il y a eu deux nouveaux papiers, l'étude Radiance, l'étude Spirale, qui, chez des patients non plus en hypertension résistante comme tout à l'heure, mais chez des patients sans aucun traitement. Et là, vous voyez qu'on retrouve une baisse avec la procédure CHAM, mais beaucoup moins forte que dans les premières études, 4 mm de mercure sur la pression systolique de la dénervation rénale. Et la dernière étude qui vient d'être publiée, l'étude Radiance, trio, où là, on est de nouveau chez des patients, vous voyez, trois médicaments ou plus avec un diurétique. Donc, on est de nouveau dans l'HTA résistante avec une procédure CHAM. Mais vous voyez qu'on a des chiffres beaucoup plus bas, hein, 4 mm de mercure de pression systolique. Donc, c'est un moyen supplémentaire, mais ce n'est pas, comme on avait vu au début, 20 mm de mercure qui vont être réduites par ces techniques-là. Donc, pour conclure, vous voyez que la définition de l'HTA résistante, qui est à peu près moins de 10% de nos patients, qui résiste à trois antihypertenseurs à dose maximale, dont un diurétique thiazidique. Elle doit être confirmée à domicile, automesure, mesure ambulatoire. Il faut éliminer la pseudo-hypertension résistante, la mauvaise adhérence, une cause médicamenteuse ou une hypertension secondaire, syndrome d'apnée du sommeil, sténose artérénale, hyperaldostéronisme primaire, et donc quelques examens à faire, on a vu, en complément. Si c'est bien une HTA résistante, le traitement est simple, spironolactone 25 ou 50 mg. Si le patient ne tolère pas, amyloride ou eplérénone. Et éventuellement, en plus, on peut rajouter un peu de bisoprolol ou de la doxazosine. Et avec la dénervation rénale, eh bien, ce n'est pas le miracle, mais ce n'est pas complètement inefficace non plus. Ça baisse à peu près de 5 mm de mercure la pression systolique. Et donc, pour maintenant, il faut vraiment la proposer uniquement en centre spécialisé dans le cadre de protocole de recherche. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, maintenant, il nous reste quelques minutes pour pouvoir avoir quelques discussions ensemble. Je vais lancer la discussion pour débattre un petit peu. Ma question va plutôt vers le professeur Hanon et le docteur Men, où on voit bien qu'en Asie, il y a une hypertension artérielle qui est très importante.
Et on voit bien qu'un des problèmes aussi de l'HTA résistante, c'est la consommation excessive de sel. Moi, j'ai été heurté par cette nouvelle étude qui a été présentée à l'ESC en Chine, où on leur donnait du sel de potassium dans certains villages et on a pu diminuer la mortalité cardiovasculaire, la mortalité totale. Qu'en est-il en Asie et en France de cette approche-là? Je ne le vois pas en pratique très, très instaurée par les hypertensinologues. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, je vais commencer pour la France et puis ensuite, il y aura la réponse pour l'Asie. C'est vrai que il y a une relation forte hein, avec la consommation de sel, mais que de façon assez bizarre, hein, sur le plan de santé publique, il n'y a pas une prise de conscience où on dit que dans toutes les boîtes de conserve, on va réduire systématiquement la consommation de sel. On a en France une cotation maintenant, tu sais Victor, Nutrinet, où on met A, B, C ou D. Donc quand le produit est A, c'est qu'il a une meilleure, c'est les meilleurs produits. Quand il est C ou D, c'est pas très bon, mais c'est tout ce qu'on a. Hein. Donc c'est juste le consommateur voit si c'est A, B, C ou D. Mais il n'y a pas, on demande pas aux industriels de faire des plats avec moins de sel de façon systématique. C'est vrai que c'est dommage. Alors, en Asie, on mange très bien. C'est très bon quand on mange asiatique, mais c'est très salé. Qui veut intervenir parmi nos confrères en Asie? Comme j'ai présenté, la consommation de fer en Asie est très, très élevée par rapport à aux recommandations de l'OMS qui était 1,5 g de sodium par jour. Mais pour chez nous, surtout en Asie sud-est, la consommation moyenne s'est déjà doublée le nombre ou le taux recommandé par l'OMS. Et c'est vraiment très difficile pour nous à corriger parce que, c'est-à-dire les mauvaises alimentations, c'est notre tradition de vraiment longtemps. Là, chez nous, pour les pays à revenus faibles, surtout les pauvres, ils n'ont pas de... C'est-à-dire, ils ne peuvent pas payer pour un bon resto. Donc, il y a des alimentations fermentées, comme des fish sauce. Il y a beaucoup... Et il y a également des condiments qu'on utilise pour la cuisine. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile pour changer cette habitude de manger très salé. Donc, voilà. Et c'est vraiment un risque majeur pour le développement d'augmentation de la prévalence de l'hypertension en Asie, surtout en Asie sud-est et en Asie l'Est. Voilà. Après, si c'est vrai que c'est un facteur de risque et que malheureusement, comme on n'a pas la solution, bien, il faut vraiment avoir recours aux médicaments. Hein. Les médicaments vont marcher, même chez des gens qui mangent du sel. Alors, s'ils mangeaient moins de sel, ils n'auraient pas de médicaments. Mais si on n'a pas d'autre solution, il ne faut pas rester à des taux tels qu'ils sont actuellement de 20% de personnes contrôlées dans le monde. Donc, il faut vraiment avoir recours aux médicaments parce qu'on a quand même, et c'est ça le paradoxe, on a plein de médicaments pour traiter l'hypertension et on n'a que 20% de gens contrôlés dans le monde alors que c'est le principal facteur de risque. Donc, c'est terrible. Il y a une perte de chance pour les gens, donc il faut tout faire pour convaincre les gens. Et ce n'est pas facile parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent prendre un traitement tous les jours. Donc, il faut prendre le temps. Probablement qu'il faut une consultation dédiée, prendre 20 minutes vraiment pour tout expliquer pourquoi on va donner un traitement antihypertenseur à quelqu'un qui n'a aucun symptôme. Mais c'est très, très important pour améliorer ces chiffres au niveau mondial. C'est pour ça qu'on voit que l'antihypertenseur bien répondu en Asie, c'est plutôt un ibutacasique ou bien un diurétique qui marche bien pour les populations asiatiques. C'est plutôt lié à ce qu'on a connu ces dernières années, des caractères uniques ou des caractères spécifiques dans la région asiatique. Voilà, merci. Je vais me permettre de poser une deuxième question justement sur l'accès aux médicaments parce que vous avez bien fait la part dans les pays asiatiques entre les pays plus riches et moins riches. Et une question qu'on peut se poser, c'est l'accès aux médicaments. Est-ce que c'est un facteur particulier dans les pays d'Asie sud-est ou finalement non, ces médicaments sont disponibles et vous avez même des plurithérapies, je pense, en comprimé?
C'est-à-dire on n'a pas d'assurance de santé qui couvre le paiement de santé. Donc, c'est vraiment difficile pour, parce que la prévalence de l'hypertension apparaît plutôt chez les pauvres. Donc, le paiement, c'est-à-dire il n'y a pas d'assurance, c'est vraiment un sujet difficile au pays à revenu faible. Par exemple, chez nous, maintenant, on a fondé une société, une sécurité sociale qui couvre la plupart des traiter des facteurs de risque cardiovasculaire, surtout l'hypertension. On donne les médicaments pour certaines durées pour le traitement. Mais c'est vraiment difficile pour les gens parce qu'ils doivent revenir très fréquente à l'hôpital pour obtenir des médicaments gratuits. Voilà. Et le transport, l'infrastructure, le temps, c'est vraiment difficile pour les gens qui ont de l'hypertension chez nous. Voilà. Mais par exemple, en France, les médicaments sont remboursés, donc gratuits, et on n'aide quand même que 50% des gens contrôlés. Donc, c'est mieux que 20% au monde, mais c'est que 50% alors que tout accès est gratuit. Donc, il y a encore des progrès à faire. Chez nous, 17% contrôlés, donc c'est vraiment très basse. Je voudrais ajouter, disait Dr. Menseng Lip, a mentionné au Cambodge, le problème, c'est non seulement l'accès aux médicaments, parce que maintenant, au Cambodge, il y a plein de médicaments génériques, on peut accéder partout. Mais le problème, c'est, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Oblihanan, c'est la connaissance. Parce que comme on savait très bien que l'hypertension artérielle, il n'y a pas de symptômes. Donc, tous les jours, comme l'hypertension artérielle, c'est la plus rencontrée dans la vie des médecins. Donc, j'ai toujours expliqué aux mes étudiants, aux médecins généralistes, en disant qu'il faut expliquer aux patients qu'on ne traite pas le chiffre tensionnel. On traite pour prévenir, pour prévention, les complications dans l'avenir. Il faut essayer d'expliquer parce que sinon, ils ne prennent pas de médicaments, parce que pour prendre le médicament, il n'y a pas de symptômes. Ils passent nous voir quand ils font des complications d'AVC ou quelque chose comme ça, d'insuffisance rénale. Non seulement les problèmes d'accès aux médicaments, parce que c'est vraiment la connaissance. Comme tout le monde, comme disait professeur Oulihanon, même dans les pays les plus riches, le taux de tension artérielle contrôlée, c'est pas évident. Hein? Très bien, je pense que c'est une discussion passionnante qu'on aurait pu encore continuer, notamment sur les urgences hypertensives aussi. Professeur Nguyen, vous avez eu une très belle présentation, je vous remercie. Je pense que le temps est maintenant terminé pour cette session et donc nous allons devoir conclure en remerciant l'ensemble des participants, malgré quelques difficultés techniques, tout s'est plutôt bien passé. Et j'espère qu'on va pouvoir renouveler cette expérience euro-asiatique, notamment sur ce sujet d'hypertension artérielle, qui est un sujet absolument passionnant, il y a tant à faire encore. Je vous remercie, je laisse la dernière parole au professeur Chour. Je vous remercie et bonne soirée. Alors. Le temps passe très vite, hein, mais... Là, je voudrais dire le dernier mot au nom des médecins cambodgiens. Je voudrais envoyer notre remerciement au professeur Oulihanon, professeur Victor Abayon, et en plus, à tous les dirigeants de ESC, qui nous a aidés pour avoir cette session de l'hypertension artérielle. Nous avons rencontré avec des grands experts de l'Europe et nous voulons aussi envoyer notre remercie au professeur Kenny Sin, le co-chair dans le congrès de ESCC 2021, parce que sans lui, sans son aide, cet congrès ne peut pas être réalisé.
En plus, nous voulons aussi envoyer notre remerciement au team de Samantha, parce que sans aide de Samantha team, ce congrès ne peut pas être réalisé, parce que pour nous, c'est quelque chose vraiment très, très récent, le congrès online. Nous n'avons jamais organisé un congrès international comme ça. Merci beaucoup et j'espère qu'on peut on se voit demain vers midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Merci et au revoir. Bye. Bye.